qui devait s'arrêter en novembre cette année, devrait maintenant s'étendre jusqu'à avril 2018. Reportage TV5 Monde à Kinshasa, Francine Mokoko, commentaire, Ilham Taoufik. Vital Kamerhe pour l'opposition, Marie-Madeleine Kalala pour la société civile et Néhémy Moulania pour le pouvoir en place. Tous ont signé un à un sous les objectifs un accord politique après 6 semaines de tractation. Dans ces pages, brandies triomphalement devant les journalistes, les signataires acceptent de fait le report de la présidentielle à avril 2018, acceptent aussi le maintien de Joseph Kabila au pouvoir au-delà de la fin de son mandat officiel le 19 décembre prochain, et ce, jusqu'à l'élection de son successeur. C'est la voix de la raison qui a triomphé, c'est la voix de la sagesse aussi qui a triomphé, et finalement c'est le peuple qui a gagné. Joseph Kabila sera-t-il lui-même candidat à sa réélection? Ça, l'accord ne le dit pas. Il est juste rappelé que le président respectera à la lettre la Constitution qui, en l'état, lui interdit de se représenter. La fera-t-il modifier? La question a été soigneusement éludée. Vital Kamerhe, lui, se veut confiant et tacle au passage le rassemblement.